Les services secrets américains interceptent les conversations téléphoniques, les échanges de fax et de données des Européens. Des ordinateurs les analysent automatiquement jusqu'à 3 millions de communications par heure. Il s'agit de mettre en place une surveillance globale, visant en particulier le nouveau réseau par satellite Iridium. Les policiers européens souhaitent pouvoir prendre connaissance des conversations par satellite dans un délai de quelques millisecondes seulement. Leur projet vise aussi la surveillance d'Internet et des réseaux GSM. Je termine l'analyse des déconnectés du système central. Votre accréditation vous a été retirée. Contient deux types d'informations, des types d'informations publiques, savoir votre nom, prénom, date de naissance, sexe, et des informations dites confidentielles, où obligatoirement, pour y avoir accès, vous devez être en possession d'une carte SIM dite professionnelle. Le port de cette nouvelle carte sera obligatoire, au même titre que la carte d'identité. Et les personnes circulant sans laisser passer valide après minuit seront incarcérées à perpétuité. Enfants, n'oublie pas que le mois d'octobre est le mois des primes de recrutement. La prime sera doublée pour tous ceux qui dénonceront un membre de leur famille. La sécurité sera un des grands thèmes de la campagne électorale en Flandre. Ainsi, à Louvain, fait installer des caméras de surveillance dans le centre-ville. Mais n'est-ce pas une intrusion dans la vie privée des citoyens ? Nous avons appliqué le principe marxiste selon lequel la confiance c'est bien, mais le contrôle c'est mieux.